Le Paris Design Summit s'inscrit dans la continuité du Sommet mondial du design qui a eu lieu à Montréal, où on a eu la rédaction d'une première grande déclaration interdisciplinaire, la Déclaration de Montréal en design. Et cette fois-ci, on oriente vraiment l'événement en design durable. Et cet événement-là aura lieu sur Paris, au Palais des Congrès de Paris. Les trois grands objectifs seront durabilité et bien commun, nouvelles pratiques collaboratives et nouveaux cadres d'action. En fait, pendant le congrès qui est complètement lié à l'expo, les professionnels vont pouvoir s'exprimer sur différents sujets qui vont être rapportés par des tables rondes sur ces trois grands objectifs. Ce qui fait qu'à la fin de l'événement, on aura la première étape de la stratégie cadre mondiale sur le design durable qui aura été réalisée grâce aux participants au congrès et à l'exposition. On a 288 présentations, on a 12 workshops dans la ville en amont, en anglais et en français aussi. 300 exposants, donc tout un étage d'expo, 96 leaders sur les tables rondes, 12 tables rondes, 12 sujets, 3 grands objectifs dans le but de se poser une grande question, est-ce durable ou non? Ce premier appel à proposition et le deuxième aussi vise à trouver les speakers qui vont pouvoir nous enrichir les débats sur les 12 grands sujets. Et donc, on recherche à la fois des gens du côté académique et aussi des études de cas, des exemples concrets qui viennent des entreprises ou des professionnels dans des entreprises ou des équipes multidisciplinaires qui ont des actions concrètes à proposer pour que le design contribue à construire un monde meilleur. On invite tout le monde à poser sa candidature. C'est gratuit et c'est en ligne, donc sur summitdudesign.paris ou designsummit.paris.